Le soleil s'est levé ce vendredi 11 mars sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Tandis que les habitants vaquent à leurs occupations, des femmes sur le terrain travaillent à améliorer leurs commodités de vie, notamment au niveau de l'électricité, ce métier autrefois uniquement destiné aux hommes. Nous sommes à Yopougon-Niangon, précisément à l'agence de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Voici Dago Bécoin-Héloïse. Elle est agente technique comptable HTA dans ce service. Il est 8 heures ce matin, déjà sur pied. Héloïse attend sa fiche de devis pour se rendre sur le terrain. J'ai travaillé avec la compagnie Dago. Il y a le client qui a payé son devis et vous allez faire la pose de son comptage. Donc, quand il est chargé, vous pouvez parler le chantier et puis vous allez partir. D'accord. Dago, ce matin, on va faire une pause sur le client. L'hôpital est là, le client est là, c'est une clinique. C'est une clinique. Donc, on dirait qu'on va faire la pause. Pour la réalisation de ce chantier, on aura besoin d'un compteur et d'un jeu de TC. D'accord. On va venir le compteur. La journée s'annonce chargée pour cette travailleuse infatigable. Elle est en route pour une pose de compteur. On va à Libafrique. On va faire une nouvelle pose. Un client qui a payé son abonnement, donc on va le raccorder. On va poser son compteur. Quelques minutes en voiture et nous arrivons sur les lieux de l'intervention. Le temps d'installer les bornes de sécurité et le travail peut commencer. J'exhorte les femmes à s'impliquer dans ces métiers dits métiers d'hommes. C'est vraiment passionnant et c'est intéressant d'être aujourd'hui en train de réaliser des poses de comptage. Bon, quand les gens passent, ils s'arrêtent un moment pour nous regarder. Franchement, c'est très intéressant. Donc, j'exhorte les femmes à s'y mettre. Nous sommes entre collaborateurs. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, entre nous, on se donne des idées et puis on avance. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas lieu de monter sur les grands chevaux. Quand on apprend, franchement, on a forcément besoin de se mettre en bas et puis on partage les choses facilement. La pose du compteur d'électricité n'est pas encore finie, que nous décidons de rejoindre une autre équipe. Un client en détresse a sollicité l'intervention du service de dépannage de la compagnie ivoirienne d'électricité. Très vite, l'équipe se rend sur le terrain au quartier Selmer. Sur place, les agents retrouvent Madame Koulibaly. Elle explique le problème au dépanneur. C'est vous qui avez appelé, non? Oui, oui. C'est où ça? C'est pas loin? Non, c'est pas loin. Ok, on vous suit. Pas de temps à perdre. Les agents se mettent vite au travail pour régler le problème de la cliente, visiblement inquiète. Bonjour, madame. Madame, bonjour. Vous avez appelé le service de la CIE. Oui. Nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est depuis hier, à 14h, je crois bien. Il y a eu coupure d'électricité plutôt. Pour les autres, là, c'est venu depuis. Pour vous, il n'est pas encore venu. Non, non. D'accord. Où est votre compteur? Au milieu. Ça? Oui. C'est qui est allumé là? Rien ne s'allume à la maison, c'est ça? Hein? Rien depuis hier. Après. Ok. On va faire une photo avant l'intervention. Nous sommes arrivés, la cliente dit qu'elle n'a pas le courant à la maison. Le compteur allumé, on va faire les tests pour savoir quel est le problème. Un mauvais contact au niveau du compteur, le relais était ouvert. On a inséré un code pour tester le contacteur. On a fini, la cliente a alimenté. Maintenant, vous pouvez aller vérifier. Oui. C'est bon, il y a courant. Oui. Tout marche bien à la maison. En tout cas, tu as fait nous brancher la allumez tout le temps qu'on est là pour qu'on vérifie.
Aratake. Aïwa. Yakoura. Tout est bon. Okay. La cliente est alimentée. On va faire une photo d'après la de fin d'intervention et rédiger le rapport, prendre le numéro de compteur. L'électricité est de retour dans la maison. La cliente est satisfaite du travail des agents de dépannage. C'est parce qu'on a eu un problème ici depuis hier, au niveau du compteur. Donc il y a eu coupure d'électricité pour les autres venus, pour moi n'est pas. C'est pourquoi j'ai appelé. Et tu as appelé, ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés à l'heure? Ils sont vite même arrivés, même vite, vite. Chave, chave. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la demoiselle, elle s'est bien occupée de moi en tout cas. En moins de 5 minutes, ils ont établi l'électricité à la maison ici. Nous faisons le quart de 7h-17h ce matin. Nous sommes montés. Nous avons fait la présentation avec le CRC. On a eu un bon de dépannage, c'est-à-dire que le client a appelé pour une requête. Ça dépend, peut-être qu'il n'a pas le courant, peut-être qu'un poteau est en train de brûler. Donc il signale la panne à la CIE via le 179. Et aujourd'hui, nous sommes là. Dès que nous recevons la réclamation du client, nous venons sur les lieux. Et nous sommes venus aujourd'hui, la dame n'avait pas d'électricité. Nous avons repris et elle est alimentée. Je suis à Yopougon, excusez-moi, j'ai ma consoeur qui est à Bobo. Au départ, ce n'est pas facile parce que nous sommes les premières femmes au dépannage. Les hommes se disent qu'on ne peut pas. Est-ce que les femmes pourront tenir, etc. Mais on a pu tenir. Et aujourd'hui, on est vraiment impliqués. Les hommes ont vu qu'on a pu tenir. Les cas de 7h-17h, ils se disaient, est-ce qu'elles peuvent avec le ménage, est-ce qu'elles auront la force, etc. Mais on a pu tenir. Aujourd'hui, on est impliqués. Et ils ont vu qu'on tient la barre haute et ils nous ont acceptés. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de complications. On est totalement inséré. Pour moi, le 8 mars, c'est une date vraiment particulière pour toutes les femmes d'ailleurs, parce qu'elle marque l'autonomisation, l'indépendance de la femme dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la conduite, le transport, peu importe. Et c'est vraiment une date qui m'inspire d'abord pour moi. Et aujourd'hui, je suis fière parce que quand on parle de journée des droits de la femme, je suis aujourd'hui dans un métier d'homme, je fais l'électricité, je vais sur le terrain comme les hommes de jour ou de nuit. Et voilà, je suis très heureuse que par ma voix, je puisse honorer toutes ces femmes qui fêtent ce jour, le 8 mars. Faire convenablement son travail en apportant de l'électricité dans les foyers, c'est le rôle de ces femmes de l'ombre mises en lumière à l'occasion du mois de la femme.